Digne héritière du savoir-faire de son créateur, Ferdinando Innocenti, la V-Spéciale 125 relance la marque italienne Lambretta, une anti-Vespa au look soigné et au caractère bien éveillé qui avance des arguments solides. Alors Vincent, les impressions ? Moi, je la trouve carrément sympa, cette Lambretta. J'aime bien ce style rétro-sportif, vraiment. Les lignes anguleuses. J'aime bien son petit design italien, là. C'est bien fini, c'est proprement assemblé. Le style est à la fois chic et sportif. C'est agressif. La finition est vraiment belle, franchement. J'ai vraiment l'impression de retrouver les standards. Bon, bah, la référence, hein, la Vespa. En termes d'ergonomie, on a une position de conduite qui est assez naturelle. Donc le dos est bien droit, j'ai suffisamment de place sur le plancher plat. Alors il grimpe un peu vers l'avant, mais ça m'empêche pas d'avoir largement assez de place pour mes pieds. La selle est assez confortable, par contre elle manquait un peu de rembourrage sur les côtés, on sent un peu l'armature. Alors après je pense aux plus grands, pour lesquels le couvre-guidon risque de toucher un peu les cuisses lors des manœuvres, surtout dans les virages. Le compteur est pas mal fait, il est bien lisible. Par contre, si ça tenait qu'à moi, j'aurais inversé le compteur de vitesse qui est analogique et le compteur digital parce que du coup, on a la vue sur le nombre de tours minute et c'est un peu trompeur. Par contre, les leviers, je les trouve un peu trop vers l'avant et du coup, on a du mal à choper les commandes. Au niveau de l'amortissement, la fourche est bien efficace. Elle remplit bien son rôle. Elle est à mi-chemin entre souplesse et fermeté et on a suffisamment de débattement. Par contre, l'amortissement arrière est un peu plus ferme, il est un peu plus sec et ça manque un peu de retour. Donc sur cette Lambretta, le freinage est couplé. Le frein par ABS est réservé à la 200. Frein couplé au levier gauche. Et le moins qu'on puisse dire est que c'est un frein très efficace. C'est un frein qui est vraiment dosable, on a un bon feeling. Il faut vraiment l'écraser avant qu'il bloque la roue arrière. Donc la répartition du freinage est bien faite. Même constat pour le frein avant. Le frein avant est franchement puissant et il est bien dosable. Il offre un bon feeling et il est suffisamment progressif. On est sur un monocylindre 4 temps qui fait 7,5 kW. Donc bon, ça fait à peine 10 chevaux. Mais les 10 chevaux, on en profite bien, surtout au milieu urbain parce que c'est suffisamment poussif. On a un régime qui est franchement vif. On a de bons départs, pas trop au démarrage. Ensuite, on a une belle accélération. C'est constant. Bon, par contre, après, il s'essouffle un peu au-delà des 80 km/h. Donc, hors agglomération, il peine un petit peu plus. Et puis, je retrouve la rigueur du châssis légendaire de la Vespa. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur un châssis tubulaire en acier sur lequel viennent se prendre les carénages. Du coup, on a un châssis qui est très sportif. J'en profite aussi pour dire qu'on est monté sur des pneus Pirelli. Et autant dire qu'ils ont un sacré grip. Donc entre le châssis sportif et les pneumatiques Pirelli, il y a vraiment de quoi s'amuser, d'autant plus qu'on est monté sur des jantes 12 pouces. La V-Spéciale 125 marque le grand retour de la marque italienne avec brio et dans le respect de ses traditions. Le style rétro-moderne est élégant, les finitions sont sans pareil et le comportement est exemplaire. Le tout pour 3399 euros, soit quasiment 1000 euros de moins que la Vespa Sprint 125. Alors, do you Lambretta ?